Bon après-midi tout le monde honorable et bon après-midi tout le monde qui l'écoute et puis suivre le travail de l'Assemblée nationale. Nous pouvons continuer avec le travail, le Standing Orders. Et je vais donner la parole tout de suite avec Honorable Bernard Georges pour lead débat. Honorable Bernard Georges. Merci, Mr. Chair. Bon après-midi, Mr. Chair. Bon après-midi tout le monde. Mr. Chair, nous sommes finis avec l'ordre 32 et là nous allons à l'ordre 33. Là, Jésus-Christ est été crucifié. Un bon moment pour commencer après-midi avec un bon esprit. Et dans sa ordre, nous avons une des suggestions. Premier, c'est ça bout en vert. Et nous pouvons suivre le page 19, rapport Standing Orders Committee. Est-ce qu'il m'a mis en vie qu'il nous mette ça morceau en vert. Qui question pour qu'on demande mardi, sitting mardi seulement, et pas pour aller plus loin que les 10 années. Ou bien, si nous sentons que ça est trop long, beyond the morning break. Est-ce qu'il nous sentit que ça est nécessaire, ou bien est-ce qu'il nous devrait être les vagues, qu'on prenne un peu plus souplesse avec l'Assemblée? Un moment, honorable Georges, honorable Mkalawan. Mr. Speaker, bon après-midi et bon après-midi tout le monde honorable. Mr. Speaker, je crois qu'il n'est pas nécessaire pendant ça pour simple raison qu'il est capable en an un urgency, qui est capable d'arriver un autre jour, par exemple mercredi. Et mon cas donne l'exemple. Par exemple, aujourd'hui, mardi, si nous mettons ce mardi, et là, nous apprenons qu'il, right now, il y a une situation COVID qui peut lever. Il est possible que demain bon matin, il est nécessaire pour une urgent question pour le ministre Vini. So, moi, ça va dire plutôt, quitte-le, nous tirons à bout, just to allow the flexibility. Merci. Merci, honorable Mkalawan. Honorable Pile. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, je rappelle bien, nous avons fait débat aux questions, nous avons introduit formellement urgent question as part of sabant différentes catégories de questions qui m'ont mis capable de demander. Qui nous pan fait, sous les nous pan fait d'une façon complète, c'est pour nous introduire une base pour qu'il y ait une question quand il entre. S'il peut entrer ce mardi, s'il peut entrer un autre jour. À cause d'une situation qui est urgente et urgente, ou pas qu'à respecter sa ministre là. Je crois qu'il y a besoin seulement en an une provision qui curtaille dans l'instance quand on a pas une question pour qu'il question time est fini within a specified period. Raison pour ça, à cause il stem back from sa discussion que nous avons gagné le commencement. Which was about time management pour qu'il nous finisse là, nous avons retiré sa pointe vers 5 heures, etc. And the whole key should be called low, how do we manage time? And il besoin en ça. Now, qui m'a proposé, moi, qui nous en a ça, mais nous ajoutons quelque chose à pour dire urgent question, yeah, urgency, anytime il y arrive, nous besoin de. Mais we still need for normal question time on a une période dedicated for it, qui nous finit à un certain l'air, and then we move on to other business of the house. Merci, on a appelé, on a appelé Mkalawan. Non, Mr. qui ou pas capable de ça, pour simple raison qui est possible qu'il m'a dit ou bien les temps ABCP
disons, il y a un BC besoin, puis regarde hors de paper. Et il y a un qui peut dire, n'a pas motion, n'a pas la loi, ainsi de suite. Et à présent, de décider pour qu'ils obtiennent un dedicated day à cause n'a pas tout ça là, just for questions, pour clarifier the backlog. This is why I momo croit qui pas de votre médecin et c'est là que tu retournes le discretion speaker parce que c'est speaker qui peut regarder qui time allocation ainsi de suite tandis qu'il là le temps on peut specify luncheon adjournment ou peut trop limitly moi croit nous quitte les ouvert mais obviously son management là présent il rentre là-dedans et il peut stiller dans ça il peut stiller dans ça ça l'effet qui on aura pile PPD moi quoi nous capable d'accord là là et bouge l'autre mais si on a change oui Mr. Chair mon été ni quelque chose là ça c'est étant donné qui nous peut être aujourd'hui un système urgent question clair qui nous pas capable limite les poser Saint Tuesday pour raison qui ne fait gagner. Mais la question allocation of time, actually ça est déjà dans nos revised guidelines qui forment une pratique à l'Assemblée. Revised guidelines for MNA's administrators on question time, et il dit ça c'est new guidelines, okay? This is sixth National Assembly guidelines. Operation of question time is governed by the standing orders. Current practice is for questions to be asked and answered each sitting day, obviously, 5 ans d'after, avant qu'ils nous décident, c'est des jours par semaine, from 9 to 10:30 a.m. Exceptionally, the speaker may extend question time. So this goes, it encapsulates the idea que nous avons un fixed time, et moi, comme on connaît, mon dit plusieurs fois du bon matin, moi, j'avais un restricted time, 9 to 10:30, mais avec discussion speaker pour extendly dans certains cas. L'intérêt là, c'est pendant, pareil, nous pouvons être à l'aide d'un autre amendement que nous pouvons proposer, pendant un high turnover question au lieu d'un low turnover avec une quantité de réponses, basically, avec une quantité supplementaries. Ça c'est premier point. Alors, s'il y en a un consensus, est-ce qu'il y en a un consensus, Lossa? Il paraît qu'il y en a un consensus, oui. Est-ce qu'on a appelé? Oups, sorry. Merci, Mr. Chairman. Je crois que pour nous arriver à un consensus, il faudrait nous tomber d'accord qui nous fait qu'il sa revise guidelines, il gagne une certaine formulation qui met les standing orders. Et oui, moi, nous comprenons ça très bien à cause, ou capable d'avoir un guidelines, mais si pas de standing orders, les standing orders pas fait référence avec lui, then il pose un document qui aucun membre est capable de challenge à any time. À cause, c'est le document qui membre besoin de suivre, c'est son standing orders. Bon, so, si nous avons ça, then nous ka abuser et nous avons un consensus là. Merci. Merci. On peut imaginer yes. Qui de l'opposition est d'accord qui nous formalise yes. Guidelines pour faire qui ça une part of standing orders. Merci, honorable George. Yes, point taken, Mr. Chair, on va faire et donc mon pèse delete. Merci, alors ça y aller. Next amendment, c'est dans 33.6, que tout va voir, nous proposons sans de quelque chose. 33.6, nous proposons sans samo meeting, for a living sitting, à cause the number of questions which may be put down in the name of a member for oral answer at any sitting, if I'm meeting, shall not exceed, comme il y a 4, et nous proposons 2. Pour faire qu'un membre pas monopolise. Et mon croix pratique, c'est tout, comme il a, si mon pas. And the next one, c'est un proposé. Sorry, numéro
7, et c'est une reformulation. It says the same, mais nous reformulons les. Par exemple, on va voir le passage 19, nous rapport, pour to make it read better, but the substance pas sens du tout. Et dans passage 19, nous rapport, nous propose un addition, comment un nouveau paragraphe 9 qui le borde dans l'air. An answer to a question shall not be insisted upon if the answer is refused by the minister. Moi, je dis autre chose, nous propose ça. Il existait dans plusieurs parlements et il y a un problème ici. Il y a un problème ici dans nous, l'Assemblée. Pas dans Saint l'Assemblée, mais dans l'Assemblée précédente. Et it's about the manner of answering questions. Qu'est-ce que c'est ça qui ministre et il s'est posé faire? Et dans nos manuels, nous point out dans guidelines, il y en a 6 guidelines, le qui manière ministre, il besoin répondre question. The minister must refrain from being too verbose, confine the answer to the information sought. The answer should not exceed 4 minutes. Answer to a supplementary should not exceed 1 minute. Ministers wishing to speak lengthily must do so through a statement. Answer should be relevant to the question. An answer should not be repeated. Minister, il y a pas juste dit, mon fini répondre sa question, plus bonheur. Mais pas tout le temps qu'il m'aime, il est satisfait avec réponse à un ministre. Et ça, il vient un point contentieux. Et nous regardons, Erskine May, nous regardons McGee. Un ministre qui a répondu à son question, moi, il y a envie, mais il y en a des garde-fous. Premier, c'est que si son réponse est full, mais pas satisfait à sa membre, et c'est ça qui nous essaie de viser là, ou bien le ministre refusait, ou pas capable de forcer de rendre une réponse à cause McGee et Erskine May, tous les deux disaient, an answer to a question cannot be insisted upon. If the desired answer is not forthcoming, etc. Et ils ne m'ont pas pour boire ça avec, mais ils peuvent dans le manuel. Ministers seulement, il y en a un garde fou, ministers cannot simply refuse to answer a question unless they raise a matter of public interest. OK, ils ont besoin de dire, this is a matter of public interest, otherwise they have. S'ils ont refusé la question without un bon raison, mais speaker can take that in contempt, okay? And say, minister, you are in contempt of the house, et apply une sanction contre lui, okay? Et son sanction, il y va, ou pas peut quitter l'assemblée, ce qu'elle est répondre, or something like that. Well, yeah, it's there, il possible. Et speaker McGregor tirant un ruling en 1999, quand il dit, an unsatisfactory answer is not a refusal to answer. Là, c'est this refusal. Si ça ne répond pas satisfait, ou elle tough, ou elle va demander l'autre question, un supplementary, une autre façon. Et ça, c'était un matter of privilege que l'honorable Ferrari tin raise en 1999, et il donne un long ruling. Donc, an answer to a question shall not be insisted upon if the answer is refused by the minister. Vous avez réalisé que ça qui l'oborde, c'est exactement l'opposé qui. Ça qui m'a fait dire. An answer shall not be insisted upon if the answer is refused. Ou pas capable, ou comment un membre dit, moi insister que vous répondez à mon question, ministre. Le ministre refusait pour répondre, the matter moves to the speaker's chair. Et c'est le speaker, par exemple, qui peut dire, ministre, vous avez besoin de répondre. Et si vous ne pas répondre, moi vous prends où in contempt. Okay? This is the, c'est ça, ça l'idée. Ça l'idée qui nous met le bord. Merci. Yes, honorable Mkalawan. Sorry. Peut-être dis pour ça, parce que nous besoin tout le temps prendre en considération qu'il est un ministre qui a demandé une question. S'il refuse de répondre, par exemple, dit ce political arena là, sa ministre pour mettre son gouvernement dans l'embarras, journal, il va ramasser l'autre.
Et Lisa même, il pas pour capable laguer avec sa ministre et il y a va n'existe bring to the attention of the speaker. So mon quoi, yeah, nous capable bouser, yeah. Yes or no, George? Maggie dit, the minister's credibility will be judged on the quality of the answer given. Okay, that's basically what it is. Okay. Yes. Honorable Ferrari. Intéressant ça. Est-ce que vous avez dit, going, là nous pouvons réfléchir, le moment avant que nous ne fassions une question. Also, the quality of the, or the knowledge, or the quality of the knowledge of the member shall be judged on the content of his question. Si un membre vient à mener une question un peu bit, it's not out of order. It's just bit. So, il paraît, de temps en temps, les mots disent, les membres qui causent, c'est moi qui pas dit non rien. Dehors, ben, tout le monde peut get li. So, I think it's il même d'affaire. So, moi d'accord avec ça. On aura pilé. Merci, Mr. Speaker. Eh bien, nous, parfois, nous avons essayé d'illustrer quelque chose. L'illustration, quand même, une cause, je n'ai pas dit non, exactement pareil, nous faisons tant de là. Et nous avons fait la réflexion, comprends, à cause. Non, mais mon père, pour me servir l'exemple, pas mine, sorry, excusez, pas en colère. Pour pas dire non, il y a mon besoin de dire. Il y en a l'article 93 de la Constitution. L'article 93 de la Constitution, il fait clair pour dire un ministre, il a besoin de venir devant l'Assemblée pour lui venir répondre à la question. Et si sa ministre, lui, il pas répondre à la question, il peut faire breach constitution. So, il y en a sur les différents endroits que ça s'y est gagné traité dans nos frameworks qui nous en a. So, je crois que nous acceptons sa proposal et nous move on to the next one. Merci, Mr. Chairman. Merci, honorable. Honorable George, nous continuons. Merci, Mr. Chair. Nous passons présent au part 10. Ordre 34, qui est le Statements by Ministers. Et là, nous faisons une proposition qui est le board, et nous pouvons lire le page 19, nous rapport. Quand l'un statement qu'on fait, nous mettons, à cause ça, c'est what is happening today, que nothing in this order shall prevent the Assembly from resolving itself into a committee of the whole Assembly for the purpose of hearing the minister's statement and asking questions thereon. C'est pour permettre qui ministre l'a fait son statement, son bon assistant est capable de répondre aucune question qu'il n'en a. Yes, Honorable Kalawan. C'est quelque chose, Mr. Chair. Je comprends exactement ce qui ça ordre peut dire, mais il n'est pas clair à cause où gagne l'impression qu'il peut dire the only reason why you are turning yourself into a committee of the whole assembly is to hear the minister's statement and asking questions. Mon quoi est beaucoup plus clair sous tu mettez vous faire y rentrer pour qui son bon technicien est capable de causer. That's the reason why you are turning yourself into a committee. It's not for the purpose of hearing the minister's statement and asking questions, but it's for allowing technicians and others to participate. Mon quoi, the principle est clair, d'accord, mais c'est moi qui fais le gagnement, mon quoi. Honorable? Honorable George, mon quoi est gagnement, Mr. Chairman. Merci, honorable. Honorable George? Mon père, c'est un amendement. For the purpose of allowing those accompanying the minister to answer questions thereon. Yes. Is that the. Est-ce que OK? Consensus, merci. P-
personal explanations by members. N'a pas n'a rien. C'est un petit delete, un des petits typographiques. Public right of reply. Public right of reply n'a pas un ordre comme il a. Nous avons dit nos constitutions et nous imaginons qu'il y a bon pour en un ordre pour linker avec constitution et pour expliquer exactement what is the right. Et ça est sorti à cause constitution. Si nous regardons l'article 102.6, il met un certain l'obligation le speaker pour 106. Oups, n'a pas 106 dans sa constitution. Il y a un amendement plus tard. Mais basically, l'obligation c'est l'air gagne right of reply, ou besoin de l'île, et ou besoin de qu'il l'île. Et il est clair que dans certains cas, il y en a un paquet de choses dans sa right of reply qui y a trop loin, qui exprime l'opinion, qui n'a pas mérité quand il y en a des gens, par exemple, on aime M. Speaker, qui n'écrit 4, 5, 6, 10 pages right of reply. Et pour permettre, en indiscrétion, libre, en bout qui est relevant, et pas, bon, et pas tout son right of reply. Alors, nous vous propose ça qui est le screen. Speaker shall circulate to members of the assembly a reply. Donc, nous pouvons the full text of the reply, but the decision on whether to read the reply or whether to omit a part or parts of the reply shall be final and shall not be called into question. Honorable Judge, mon point de norme qui nous servit là, c'est speaker highlight tout bon part qui pour lui. Et c'est ça aussi tout qui ici qu'il a avec bonne maman, qui bonne maman est capable de suivre. S'il y a quatre pages, il peut appeler tout ça quatre pages. Il y a pas bonne maman, il y a pas voir ces bonnes highlighted parts qui speaker il y a the right of reply. Oui, mais ça il compte 106. Oui. Alors 106 il dit the speaker shall circulate a copy of the reply to every member at the commencement of the proceedings. Read the reply. So shall read. Yes. Alors en gardant l'esprit de sa constitution, nous peut donner un certain directive. Oui. À cause il est possible que le speaker ait décidé pas read the right of reply, à cause il pas tombe dans la catégorie un reply. Right. Il a besoin d'un dimon somewhere qui décide ça est un right of reply, qui a approprié ou bien ça n'est pas un right of reply. Ou pas capable de saluer ça dimon là-bas dehors, à cause il peut écrire n'importe quoi. Pour les gens, ce qui répond, il a besoin de mesurer avec ce qu'il a dit. Il a besoin d'une certaine balance. On va appeler. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, je ne suis pas pour d'accord avec sa proposition à cause. Sa proposition, the supreme law of the land, c'est constitution. Constitution finit dit ou quoi qu'il besoin d'arriver. Ou pas capable un subsidiary act ou law présent et venir mettre un précondition de ce qui devait arriver. La constitution est claire. Il dit comme on a dit, where a person or the member of the National Assembly is aggrieved by the exercise of the right under clause 1, which is right and mum pour exprimer son décor avec immunity, that person may, in writing, address to the speaker, submit a reply to the speaker, and the speaker shall circulate a copy of the reply to every member of the assembly. Ça est bien, nous pouvons faire là. Okay? And at the commencement of the proceedings of the immediately following sittings of the assembly, read the reply in the assembly. Il pas dit ou shall read or may read. No. Il dit read. Read the reply. Il pas dit ou ni may ni dit read the reply. Read. So, il pas dit ou même in part, même in anything. Ce qui nous peut faire là présent, c'est qu'il nous peut introduire une condition. Nous peut dire, speaker est capable de décider whether to read the reply or whether to omit part of the reply, which I think, pour moi, the way 102.6 is worded, ça y parle. Quand ça qui s'en décide, bon, peut-être, mon finir, on nous parle dans les passes, là, à cause de sa situation constitutionnelle. Est-ce qu'il peut-être nous capable de noter ça, qui
il y a 20 tombes d'abandon d'amendement qui constituent. Comité constitutionnel est capable de voir. Encore définitivement, ou pour gagner un right of reply, qui, ou même ou pas pour content, qui contient qui explique pour lui. Et nous les avons ça. On a Georges qui connaît mon partage avec lui. Il y en a un bon right of reply qui nous, comme nous voit, nous dit, mais non. Et nous écrit ça, Jimon, et ça, Jimon accepte pour dire, non, il n'y a pas de right of reply. Et dans ce moment, l'esprit, ça, Jimon, qui écrit, voit, et il y en a un bon right of reply qui. Il vient, il même dénonce le travail que ça l'Assemblée peut faire. So, est-ce qu'il voulait nous prendre comme un right of reply et nous venir lire de l'Assemblée? So, je crois que ça un petit peu dans l'esprit quand nous pouvons aller pour seulement un bout qui nous, quand nous sentons ça, dit mon ingain. À cause de mon ingain, par exemple, il a écrit 4 pages, mais son bout, quand il veut faire référence, c'est quand il gagne affecté, aggrieved. Il existe un paragraphe, mais par exemple, on a besoin de lire tout ça, penser à ce moment-là qu'il peut écrire ça, on a besoin de ça avec l'Assemblée. Yes, on a appelé comment? Merci, M. Speaker. Bon après-midi, M. Speaker. Bon après-midi, tout le monde, tout le monde à l'écoute. M. Speaker, mon saisir bien, ça coupé dit là, pour moi, il fait cet essence-là. Mais seulement, il n'a pas réfléchi ça qui. Sans dit. Qui nous a mis devant nous là. Il y a un bout de mon pensée qui a besoin de gagner un clé, c'est qu'il a besoin de gagner un clé. Mais nous pouvons dire qu'il y en a un bout qui n'a pas fait ça, ce n'est pas relevant, qui a besoin de gagner un clé. Il a besoin de gagner un clé, ça n'a pas réfléchi ce bout là dans ce que l'honorable Georges met devant. Mon cher Kota, peut-être, ça a gagné fait et qui peut-être nous a. Oui, voir sa côté de base de ce que vous pouvez dire et qui vous pouvez déjà pratiquer dans l'Assemblée. Merci. Merci, Honorable. Honorable Clifford André. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, moi, je crois que ce qui est dans la subsidiary legislation est bien. Il n'y a pas de violation de la Constitution. La Constitution, il y a la loi suprême, il y a la loi qui donne guidance. C'est même ça qui donne. Tout le monde a la loi, nous avons la loi de la force de défense qui nous découle de là. Nous avons beaucoup la loi qui, pour moi, y en a plus l'impact négativité de l'ONU Constitution qui s'en a cause. Ça, il dit où? Il peut gagner un reply pour dire qu'il a un reply sur le côté de M. X, qui son nom a mentionné dans l'Assemblée, mais seulement en vie qu'il y en a 10 pages et relevance. Ou pour dire tout ça là, ou, I mean, speaker, pas où, comme si ça dit le monde qui est speaker. Relevance en référence avec sa question qui s'est emmenée par, disons, l'honorable André, sa section, et alors, si mon peut lire ça, qui est relevance. Ou peut read son right of reply, ou. Comme si il n'a pas rien qui ou pas peut faire, qui constitution, il dit, ou coupé viol constitution, ou pas peut faire ça, il peut dire, qui peut dire, ça bout, qui m'a dit, il dit, là, moi, eh bien, member of the assembly, sorry, the speaker shall circulate to all members of the assembly a reply. Received from a member of the public, but the decision of the speaker on whether to read the reply or whether to omit part. Il dit whether to read or to omit part. So nous besoin clair qui peut dire pour omit part of sa reply or part of the reply read in the assembly shall be final and shall not be called into question. So il besoin donne ça privilège speaker pour l'analyse. Pour les temps gagnés, nous besoin guetter. Merci. Merci. Peut-être c'est pour remind bon mam nous qui dans 4e l'assemblée ça norme une gagne 7 à quoi même 4e l'assemblée tient bon right of replies qui speaker at that time qui lit this man boot qui tire relevant avec sa boot côté sa dimon sa mam public qui gagne grief on a Abraham Calhoun. Mr. Speaker, Mr. Chairman, mon quoi qui tous les deux côtés peut dire même quelque chose. Et nous y sommes venus faire l'éclair. Parce qu'il est clair qu'ils sont philosophie derrière ça. To read the reply. Ou peut read sa reply to what the member has said. Sa même inacquise un membre public comme quoi il y en a 4 la boutique. Présent sa même public, en bas en D, 6, il peut dire moi, je vais faire une correction qui peut dire moi, n'a pas 4 la boutique. Et là, il a mon anzis en la boutique. This is the reply. Mais sa mam est capable
l'état est écrit. Il peut dire sa mère qui ne cause une masse ta une fait c'est pas qu'il a des affaires qui totally irrelevant. So, moment ça va proposer because nous tous nous comprenons the philosophy. Moment ça va dire en nous pas mettre qui peut dire speaker est capable omit parts ainsi de suite tout ça là. The fact that we understand the philosophy. Moment ça va dire autant que possible let us put what is in the constitution. Pour dire the speaker shall circulate a copy of the reply to every member of the assembly and at the commencement of the proceedings of the immediately following sittings of the assembly read the reply in the assembly. Let's keep what is in the constitution et les faits qui nous comprennent sur philosophie nous va en lien avec la Constitution. D'accord. Et le speaker est avant dans sa discussion pour dire ben, là, il a sa bout là qui est the reply. Et mon pays lit son reply et il n'a pas aucun les autres quelque chose. Merci. Merci, honorable. Yes, honorable Pile. Mr. Chairman, je crois que that would be the best way to do it, because otherwise, nous documents lui-même qui pour contre Constitution. So, nous avoid sa bonne affaire. Nous y mettons. Public right of reply. In accordance with Article 1026, the member of the public shall have a right of reply. And then, for example, if it's a matter of practice, the member of the public will challenge the speaker on a matter of practice. The speaker is capable, for example, to say, you can have a right of reply, the three things that you can say, and after you introduce six new elements, you can have a right of reply in the first place. So, I think that's the best approach and the safest way to do it. Merci, Mr. Chairman. I think that what I have introduced is that there are a little bit of details. Mais pas trop quoi, il peut mine pas l'esprit constitution, mais il est trop détaillé. Alors, si nous sommes capables peut-être d'arrêter là, quand on aura appelé l'opposition, il dit, si pour être pas on aura appelé, qu'on arrête là, quand il dit, read the reply. Yes, honorable George. Yes, Mr. Chairman, on comprend tout ça là, mais permettez-moi de faire des réflexions, et surtout une réflexion comme un avocat. Première chose, c'est sa right of reply. Il partit dans la Constitution avant, une vingtaine plus tard. Et mon père m'a dit, donc il a assemblé une vingtaine, il est possible que moi je monte dans l'Assemblée. Et nous ne nous pas assez mazine sur les faits. Et nous voir qu'en effet, il a abusé. À cause, finally, un dimon, ou le privilège pour causer dans l'Assemblée. Et unbounded, n'a pas aucune restriction. Et pas ni devoir être en right of reply. À cause, that's the whole purpose of freedom of speech, which is absolute. Nous, freedom of speech dans l'Assemblée, absolute. Il pas, les nous dehors, nous, freedom of speech, pas absolute. Mais ici, en dedans, absolute. Mais seulement, nous comptons, à cause, quelquefois, si on a raison, nous comptons pour mener sa balance et pour donner des gens qui sont affectés. Un droit de réponse. Mais ce qui nous prend donné, c'est un droit pour ça, Dimoun abuse son droit de réponse. Et qui nous voit ça y arriver dans beaucoup de cas. On a des fois un ministre qui dit quelque chose, un Dimoun dehors, il écrit. Non. The right of reply existe contre ça qui est un membre, il dit, pas ça qui est un visiteur dans l'Assemblée, il dit. Alors là même, là, n'a pas. Il y en a une éducation pour faire dehors. Et deuxièmement, quand c'est le right of reply qui finit, quand un Dimoun dit, si on veut corriger quelque chose, qu'il a dit, non. The right is not the right to correct a statement. It's the right to dire que ce qu'on dit, il aggrave moins de haut là-bas, il cause moins de quantité blessée. Alors, ça même, ça a besoin de faire ça changement. Mais si nous regardons nos constitutions, nos constitutions, il n'y a pas défini la bonne parole. Il a défini son purpose, son philosophie. Qu'est-ce que sa philosophie derrière l'article 106? Est-ce que c'est qui? Tout le monde, comment vous faites? Web ici en dedans, il a envoyé un reply. Ou besoin de lire tout son reply? Obviously not. Et alors, si ça, ce n'est pas philosophie, ou besoin capable, limite, ou besoin capable de une décision sans haine, mon papa, pour lire, malgré qu'il dit Charles. Et au cas, dit, si mon poulet, ça boute mon pas poulet. À cause, il n'a pas rien pour faire
avec sa chose. Mayer était là. Nous besoin interpréter dans son contexte philosophique, pas dans son contexte littéral. Literally, obviously, comment on dit un quelque chose dans un monde qui envoie you a right of reply, ou besoin, whether you like it or not, whether it's a right of reply, il y a une quantité de magosie là-dedans, ou pas qu'on a fait aucun triage ou besoin li. Obviously, that's not what the Constitution intends. Alors, what the Constitution intends, exactement ça. Mais on comprend. Ça qui, raison qui nous dit ça, c'était le premier point que tu fais, which is, en nous, si nous envions dans sa direction, à cause c'est ça qui nous peut faire, une event, nous avons quelque chose pour nous faire. Un, ce n'est pas dit non, rien, et si se reproduit la Constitution, l'appareil de l'opposition in proposé, et l'autre, c'est mettre-le là, pas bring-le in force, mais sans Constitution pour bring-le in line avec ça. À cause de Constitution, between you and me, il y a beaucoup trop loin. Il y a beaucoup trop loin, à cause qu'il donne un droit qui, si ou pas, interprète-le d'une façon restrictive, pareil, mon fait que faire là, il donne un droit à n'importe qui du monde là-bas dehors pour lui décider, s'il gagne aggrieved, pour lui décider qui pour mettre dans son lettre et où pour besoin lui tout sa lettre depuis le commencement jusqu'à la fin. Pas qu'à faire ça. That's not the intent. Alors, voilà où nous étions. Nous avons besoin trouver une solution qui donne à ce monde là-bas dehors un right of redress sans qu'il y en ait ou la main. Mr. Speaker, ici dans l'Assemblée. Merci, Honorable Georges. Honorable André. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, je suis entièrement d'accord avec sa analogie qui, Honorable Georges, nous a servi. À cause, pareil, tu peux dire, Constitution, il y a un guideline. Li. Et toute la loi, il découle de là. Et l'État nous peut être, beaucoup nous la loi, Constitution pas spell out qui m'en y a de vite gagne fait. M'a donné l'exemple pour illustrer l'exemple. Bill avec Riemann. Criminal Procedure Code, il dit où une façon qui devait faire qui en lien avec l'article 18.7, mais seulement il y a dans les autres l'aspect qui découle de là dans la loi qui fait qui pas nécessairement à cause de Constitution, il dit « Charles ». So, l'État nous peut être, restrictively, l'osis, ça l'aspect, il nous peut être plus grand. Tu fais POA was declared anti-constitutional, en référence avec l'article de la Constitution, mais seulement tu besoin d'une pétition qui tu peux dire, ça a un invoque à l'aspect de la loi, c'est un invoque à l'aspect de la Constitution, c'est un invoque à l'autre aspect. Alors, l'État nous peut être là, mon si mon croix, par le nom Georges Mette et sa discrétion et devait le speaker pour permettre ou bien ça dit monde qui dans sa 16 pour lui choisir qui pour lui. Et si nous dit pareil constitution il dit Charles speaker si un dit monde nous moi tout là-dedans ou bien il joue un entre nous ou bien il s'aboute. Monsieur Georges il dit ou bien monsieur André il dit qui vous dit telle chose nous besoin dit s'aboute à cause nous peut mettre nous les corps en bas une situation que demain nous pas pour capable sortir et moi crois comment l'assemblée responsable nous besoin permettre sa discrétion le speaker pour les lead the relevant part et pareil on va boire OK là si bon moi dit le temps nous peut dire ça que tu fais nous devait mettre dans nos standing order relevant part vous comprenez so ya donne ça relevant speaker qui pourrait être côté qui relevant or not. Merci. Merci, honorable. Honorable, comment vous? Merci, Monsieur le Speaker. Monsieur le Speaker, un right of reply, il n'est pas capable d'en vague. Il a besoin clair, il a besoin en référence avec abuse qui est même fait dans l'Assemblée. Bon, c'est ça, il a besoin de porter sa public à cause de Paga, un membre. Il y a l'above board et il dit quelque chose qui n'est pas correct, et ainsi de suite. Les petits mouns présents, ils écrivent où, entre guillemets, pour lui quoi, it's a right of reply. Et puis, il cause n'importe quoi, il dit n'importe quoi.
mais il pas un right of reply li. Déjà là il disqualifié li. Ou pas pour capable li ça cause il pas faire référence directement avec ça qui m'a dit qui a gravely. It's only ça qui m'a dit qui a gravely qui vient a matter of right of reply. And that you must read. Ou pas li entier par nous peut dire là l'esprit est clair. But you must read. Ou pas capable parler la pédie, parler, ça mon problème, il l'a moi. So, et il bien qui en a ça. Moi, quoi, nous dit solution, et moi, quoi, nous devons être move avec bonne proposition qu'on a émettée, Lola. Sinon, nous ne pas continuer à discuter pour de ce que nous pouvons discuter. Moi, quoi, une claire, Lola, pour nous user. Merci. Merci. Bon, il y a un petit point qui m'a dit qu'on a aussi fait sortir. Si de ça, même de sa bout, de sa texte qui est relevant avec son bout côté de la grève, ça m'a dit qu'il servait un parliamentary language. Vous voyez? Ou pas pour capable? Mais si vous mettez ça, est-ce que vous pouvez go against the spirit of the Constitution? Ou non, George? Mr. Jay, exactement ça point. En fait, nous avons un dilemme. À cause de la Constitution, il dit, ça dit le monde qui décide s'il si agrippe. Pas où? Pas nous, personne. Lui décide s'il agrippe. OK? Ça, c'est son premier point. Et s'il agrippe, il envoie un right of reply. Et où? Léo gagne sa right of reply. Qui lui décide s'il agrippe, ou besoin lui, ou besoin faire des quelque chose. Ou besoin N. Circulate the reply, not the bits of the reply, and read it. Alors, on n'a pas aucune discrétion pour dire que ça dit mon, sorry, ça qui n'a pas dit, le un niveau objectif, pas capable d'agriver. Ou besoin accepter que si l'ingé agrive, l'équipe peut faire décision par nous. Premier. Et deuxièmement, ou besoin de lire tout ça qu'il mettait. Parliamentary language or not, unparliamentary language, relevance or not, si écrit 10 pages, ou besoin de lire tous les 10 pages. That's not what was intended, but that's what it says. Alors, nous avons un soir clair. Est-ce qu'il nous fait ça que la Constitution dit nous fait, même si nous connaissons mal, ou bien est-ce qu'il nous fait ça que la Constitution intend, mais nous ne pas suivre son lettre? Et la Constitution est claire, lui. Il dit où qu'il m'a pointé pour être lui? It says, look at the purpose. Not, don't look at the words, look at the purpose. Alors, that's the purpose. What? Ça sent vraiment à la main. Mais seulement, je comprends. Je comprends. Et nous risquons passer un après-midi entier, puis faire une autre discussion, mais nous avons encore 60, oui. 60 oui. Standing orders pour nous regarder. Either nous sommes linettes et nous continuons à faire manière, nous faire comme il a. Ou, Mr. Speaker, vous avez un coup, un jour, par un petit monde qui n'a pas un right of reply. Qui vous pouvez suivre, ou nous mettre dans nos standing orders exactement ce que la Constitution dit nous, sans aucun sens. Ou, troisième, nous sans Constitution pour faire dire ce qu'il est supposé dire. Et encore, par exemple, nous pouvons faire une révision pour l'avenir. Demain, ça nous explique qu'il est venu, qu'il a emmené en cours, nous pouvons faire ça. Il va dire, tu as un sens pour 6e l'Assemblée, faire sa révision. Tout le monde fait, et aujourd'hui, besoin de débuter en cours. Mais c'est un petit quelque chose, l'air, on a Georges dit, parfois, même au nom non intime, on nous fait référence à intime de façon objective. Il n'arrivait, mon gars, on a Georges au courant. Mon gars, il dit, mon qui n'existe pas un sens, son nom est nommé, peut-être il n'est pas content. Il n'est pas content, sa maman qui nomme son nom. Ça qui m'en voit un petit peu derrière contenu ça. Mais son nom qui gagne referred to de façon objective, positive, mais il écrit, il peut demander right of reply. Mais là, on regarde, il n'a pas. Mais moi, je prends lui avec conseil au nom de Georges, avec nos autres legal counsel, Ms. Kaoulis, de l'analyser. Moi, écrit ça, dit mon, moi, je dis, explique-lui bien qu'il n'a pas gagné un grief et suivant verbatim. Sans référence, sans remarque, quand il fait de façon objective, et n'a pas de rien. Inaccepté. Mais si nous prenons les to the letter, comme on peut gagner sa right of reply, mon pour ce qu'il est, mon pour lui, alors,
Nous avons imaginé comme si qui s'est parlé. Honorable Callahan. Mr. Chairman, je vous dis, si nous avons un problème avec cet aspect constitutionnel, et de l'autre côté, nous avons un parliamentary practice. Il y a une tradition, le qui m'a été unité. Je crois que ce qui honorable George a dit, je crois qu'il peut continuer à balancer, même si nous mettons ça qui constitution, il dit. Nous mettons ça qui constitution, il dit, et nous avons une autre pratique, quand il y a ce qui est une relevant part, qui paraît là-dedans, mais seulement nous avons plus safe parce qu'il y a répète ça qui constitution il dit que nous standing order il va simplement faire pour aider ce qui est membre public il va capable dans standing orders wa côté y aller pour lui gagner right of reply so moi ça va proposer encore qui nous reprend un texte ça qui ça qui constitution il dit et avec parliamentary practice then sa tradition then il y a pas cause merci honorable honorable Pilet merci Mr. Chairman moi quoi il est important nous souligner de quelque chose premièrement et même l'Assemblée l'a causé sa constitution, une bistololi, un pouvoir énorme. Énorme. Et mon quoi raison à cause d'un 1026 qui a introduit ce système pour dire OK, il a besoin d'un an un check, Samuel. Tant bien que ça check in vini. Nous pas capables de nous interpréter son l'esprit et non pas son lettre dans certains cas, et d'un interprète son lettre. Et non pas son esprit dans l'autre cas. Constitution est constitution, il y a écrit d'une façon. As long que la loi B n'est pas inconsistante constitution, mais pourquoi les attendre des challenges en cours, des challenges en cours, whatever, that's what it is. So, dans l'esprit pour nous mouvoir, Mr. Chairman, dans des soins. Si nous répétons les textos, then il limite au regard d'une parliamentary practice. Mais si nous retirons ça complètement, nous retirons ça complètement. La Constitution fait provision pour un right of reply. Ça dit, nous avons la Constitution et un parliamentary practice privé. Il y a un challenge, il y a un challenge. Nous avons un grounds en bas order 2. When it comes to the conduct of business qui pas prévoir en bas standing orders, qui nous gagne en masse, nous avons des recours. So, je ne parle pas de nous créer un mischief by putting something là qui est en main ou en main de first place, mais l'autre qui a préféré une Constitution. Je crois plutôt nous pas mettre les dit tout. Pour nous avoir aucune ambiguïté ou inconsistance. Merci. Bon, est-ce qu'il y a une question de ça qui nous parle avec les lits du tout? Il y a pas juste rester dans la Constitution, il n'y a pas de nous standing orders. C'est ça que vous pouvez dire, nous appeler. Il n'y a pas pour entrer du tout. Oui. Bon, il y a une question de ça. Nous. Il y a ce noir blanc à la main. Ou bien, juste pour faire les simples, sans qu'il y ait dans le détail. Pour nous, parce que c'est des six qui concerne l'Assemblée nationale et le public, this makes a public right of reply, et après dit, in accordance with Article 102.6 of the Constitution, a member of the public may, whatever, you know, George, il y a in accordance with Article 102.6 of the Constitution, a member of the public shall have a right of reply. Zisou state, si vous pas capable, ok. Moi, je vais taper, je vais dire qu'il y a quelque chose là qui, mais in that case, bifli, parce qu'il partit là, oui, nous et nous practice. So we just remove it all together. Yeah, ok. D'accord. On a un choix, on move on. Chair, mon delete ça et mon look forward pour ça jour quand un timon écrit dear Mr. Speaker ça telle chose son maman
l'honorable Intel in faire quelque chose et qui ou pour besoin dans où c'est lit exactement qu'ils a dit mon indi à cause de son loi constitutionnelle à cause ça pour arriver non ça et pour arriver non moi crois que ça c'est ce qui me gagne là c'est nous pas faire les rentrer dans standing orders nous tenir constitutionnalité et nous continuer sa pratique parlementaire pratique que nous faisons. Moi d'accord oui mais seulement mon pas pour capable de dire ça. Il vous dit où il vous dit où il envoie son right of reply. Il écoutait les 24 juin, 3h07 après-midi. Il écoute le parlement de l'Assemblée. Il comprend exactement qui son droit et il veut exercer son droit. Then, il est capable d'aller sur l'autre côté, mon mazine. Il va en cours. Il va intéressant. Mr. Chair, nous mouvons. N'a pas rien le ordre 37 là, sorry, pas nous payons le présent. N'a pas rien le matter of privilege. Nous pas fait aucune proposition. Matter of privilege. Mr. Speaker, moutine expliquer plus bonnet qui. Il y en a une différence entre ça standing orders que nous avons servi avec standing orders dans nos livres. Bon numéro, pas nécessairement suivre. Et tu commences bien, mais à un certain moment, nous avons servi de electronic version qui ne correspond pas nécessairement. Il y en a un décalage, un ou des ordres. Donc, 36, matter of privilege, tu n'as pas non rien. 37, nous venons nos motions présents. Un moment, honorable George, honorable Henry. Merci, Mr. Chair. Le matter of privilege, parce que moi, je peux partager l'opinion avec l'honorable George l'autre jour, quand moi, je peux dire avec lui, pour dire, moi, je me sens pour dire, non, elle a bi, l'article 36, souvent, par bonne-même, que je dis, autres privilèges sont affectés. Mais souvent, dans mon lit, je parle de privilèges individuels, de privilèges de l'Assemblée. Et alors, je peux demander si il pas peut-être une bonne idée pour nous définir qui c'est ça, privilèges, devant même dans standing orders, dans general, que nous avons les autres définitions, alors qu'il fait pour éviter qu'il y en ait. Ben la bi côte dis comment un journal il écrit quelque chose un mami complète un mami non bazar un mami complète comme si pour n'a pas sa qualité la bi. Oui, merci Mr. Chair. Merci honorable George. Oui, Mr. Chair, nous c'est session l'honorable pour qu'on prend dans des façons. Nous t'en dit dans nos ordres, dans nos rapports, que les standing orders pour qu'on publie cette fois-ci, ils prennent dans un annexe National Assembly Privileges, Powers and Immunities Act. Et c'est là que la majorité des bonnes privilèges y existait. Et il y a un acte qui nous parle souvent, et nous pas faire référence avec beaucoup. Mais dans nos manuels, il y avait la liste de tous les privilèges. Et explique-moi, côté sa privilège était. Si un privilège dans 102 Constitution, si un privilège dans Powers, Privileges and Immunities Act, ou bien si un privilège qui existait somewhere else. Tout ça la liste pour là. Et avec son procédure pour un membre, raise a matter of privilege. Tout ça là pour dans manuel. Donc, il est assez facile pour identifier. Nous ne sommes pas capables d'avoir la liste dans standing orders, par exemple, à cause de ça, la liste est censée. Privilège, il y en a qui gagnent ajouté. Rare qu'il y ait un privilège, il peut être dit, mais il y en a un privilège qui pourrait ajouter de temps en temps. Et on a un grand la liste privilège qui n'ont pas réalisé jusqu'à l'heure nous lire The Powers, Privileges and Immunities Act. Il y en a un grand la liste privilège qui nous enjoy
y en a media privilege qui nous enjoy, y en a quantité privilège qui nous va nous-mêmes nous aware. Mais tout là-dedans et un bon quelque chose qui s'amanuel pour faire, c'est mettre les dans une façon simple et accessible. Au lieu qu'il y ait besoin de road all over the place, il y a là dans un certain endroit. Merci, honorable George. On va continuer. Yes, Mr. Pickup. Order 38. Notice of motion. OK, là, nous parlons de part 11, motions and amendments to motions. Nous n'avons rien dans 37. Nous n'avons pas fait aucune proposition dans 37. Mais dans 38, encore une fois, nous sommes un petit peu wording. Mais avant qu'il nous aille là, oui, nous pensons au mot meeting, vous pouvez aller sitting, à cause encore une fois, no motion shall be moved at a meeting. Obviously, it's at a sitting unless 10 clear days notice has been given. Mais là, now it's clear what the 10 days notice is. C'est 10 days notice avant que vous move ou motion. Ou envoyez une motion, ou pas qu'à move les pour une période de 10 jours. Il n'est pas clair d'aller qui a notice pour demander une question. What was it 10 days of, mais clair émotion qui attendait. Donc, nous ne sommes sitting, nous faisons une meeting, et nous ne sommes un petit peu wording. Regarde, Mr. Speaker, nous highlight 4. Order 38, paragraphe 4, nous highlight les, et dans nos rapports, nous demandons avec bon membre pour regarder si vous regardez ça ou bien non. Et l'OPAS 20 au rapport nous peut dire il y en a un argument valable tous les deux côtés. Si nous gardons ça, tout membre pour qu'on ait toute bonne motion qui nous désagagne envoyer coup de clark. Et alors, ou pas envoyer la même motion à cause d'y en a un déjà. Et alors, mais de l'autre côté, si mami connaît qui motion, il gagne envoyé bien longtemps avant qu'il sa motion il vienne l'ordre de paper, même il gagne une quantité de temps pour préparer. Et deuxièmement, il donne l'exécutif un avantage pour si une motion peut ouvrir un certain quelque chose pour tailler pour faire ça quelque chose. Alors il y en a l'argument valable tous les deux côtés. Do we keep it or do we not keep it? Et mon cas dit que nous ne pouvons jamais suivre sa ordre. Nous ne pouvons jamais suivre sa ordre qui tout notice qui gagne un peu écoute là, qui gagne ici, qui est tous les membres. It's been done at the moment. Il nous peut faire question avec motion qui peut rentrer, en mesure rentrer, gagne ici, qui est. Sorry, mais oui, si gagne ici, qui est, moi, mon pari, c'est pour moi, Mazina, il y a un email de l'Assemblée qui m'ont. Oui, peut-être. Yes, honorable Callahan. You know, Mr. Chairman, par ça qui m'ont lié dans 4 mois, all motions of which notice has been given and which the speaker rules to be out of order, c'est ça qui peut gagner là. Et moi, je crois qu'il est bon qu'il ait quitté. Pareil, était là. Je crois que ça que honorable George n'explique est différent. C'est bon qui out of order qui gagne ici qu'il est et mon quoi qui bon il gagne ici qu'il est pour qui bon mami gagne l'exemple qui qualité motion qui pas pour gagner accepter l'eau un côté et deuxièmement si sa maman y a envie même s'il gagne ruled out of order il connaît parce que émotion any business il pas qu'à retourner encore devant l'assemblée within a year so il a passé son licence dans un an après whatever, 6 mois, bien un an. Mon quoi, il est bon quitter. Mon quoi, quitter, il n'a pas fait non, rien. Mais est-ce qu'il nous fait rentrer sa pratique qu'il nous peut faire là pour le moment? Qui motion et question qui rentrée, il gagne ici qu'il est? Well in advance? Yes, Mr. Chair, avant qu'il me réponde ça, il y en a un
un problème là. À cause ça, paragraphe 4 qui le borde et que ça, paragraphe 4 qui dans nos livres, pas pareil. Dans nos livres, il dit « All motions of which notice has been given in accordance with this order, including those which the speaker rules out of order, shall be circulated. » Whereas on the board, it says « Only those which the speaker has ruled out of order shall be. » Alors, il y en a un, faut regarder lesquels textes qui valables et lesquels qui pas. Alors, mon imaginez que ça qui dans nos livres is correct. Et ça veut dire sa pratique qui nous peut faire bien. Yes. Bon, est-ce qu'ils ont pégan ici qu'il est? Oui, pégan ici qu'il est. Quand est-ce qu'il est, qu'il est, monsieur Speaker? Il y a le code de l'aide l'office. Ah, OK. Very good. Mon pas mon imaginé, the whips also are in copy, mais probablement, yes. D'accord. On aura pile, utilisez la parole. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, that was one of the points que je parle faire. Mais il y a un autre point. Ce honorable George a rappelé bien, tu as une question raised par l'honorable William. Quand les questions ne sont pas admises, ça m'a mis besoin de faire une représentation avec le speaker. So, nous ne pouvons pas connaître si son question est admise ou bien non. OK? Now, pour motion, il est différent. Comme si est-ce qu'il nous a une consistance dans la pratique? À cause du speaker, il a besoin de rule and motion out of order on certain grounds. So, pour question, nous dit que sa maman est capable de speaker pour lui faire représentation pour find out à cause de son question qui est rule out of order. Mais pour motion, nous ne pouvons pas dire non. So, est-ce que nous devons dire quelque chose de similaire à tout ça as well? Si tout dans la circonstance, par exemple, pour parler de débat qui permet de vous matin, ou on a un membre qui en dehors soit à part from un des trois membres qui à part from the main groupings qui forment l'assemblée à cause notice of motions are sent to the clerk. Honorable George, il a déjà Mr. Chair 38.3 il donne speaker une permission pour lui disallow une motion pour bonne raison qui en a là-dedans. Oui, mon quoi est couvert, il couvert. Oui, il couvert. OK, shall we move on? Mon bégan est demandé pour sortir l'ordre 95, pour nous faire montre la grâce bonheur aujourd'hui. 38.5, nous ne sens son façon. Motions whose contents are cognate may be debated together. Et manière c'était avant c'était unless qui un autre ça démouve une motion. Des témoins amènent une motion pareille, les autres gagnent move ensemble. Mais les autres qui gagnent move ensemble seulement si un parti refusé. Là présent nous peut dire faudrait que tous les deux tombent d'accord. Alors we're making it positive rather than negative. OK? Et plus normal, il y a même plus consensus. Yes, you know, Abram Karawan. Yeah, sorry. Mr. Chairman, Momo, pas trop d'accord avec ça, if the movers of the motions agree. Mo crois que sa discretion should be the speaker's discretion. In the same way qui parle, il y a des questions qui parlent. Speaker, il dit, ça a des questions, il est plus ou moins pareil, et je peux demander tel membre pour lire son question, l'autre pour lire son question. Même pareil aussi tout, l'État permet une bonne motion ratification. Nous nous écoutons, la personne qui peut proposer, il a demandé pour lui, read tous les deux à cause de l'autre pareil. Même pareil avec certains, la loi tout, nous ne faisons pas, mais c'est moi son procédure après. When the time comes pour prendre votre lot là, each motion
ou bien each piece of legislation is read separately pour faire second reading, pour faire third reading, ou pas capable de dire nous pour faire un seul qui est séparé. Parce que si ça démouveuse pas d'accord, si ça démouveuse pas d'accord, parce que là, on peut gagner un autre affaire. Et in fact, logically speaking, si des motions y pareil, il besoin d'une motion qui rentrait avant. Question aussi pareil. Ça veut dire sa deuxième motion, l'idée va être tombée. Et question aussi pareil. Question aussi tout. Ça qui rentrait avant, il prend. Pareil, oui, oui, oui. Excepté qui un démon est capable de demander une question. Qui peut couvrir même quelque chose, c'est moi qui peut. Il peut couvrir la case, li. C'est moi qui demande son question, l'autre. Tandis que ça, l'autre, qui demande son question, l'autre. De toute façon, il peut répondre l'autre la case. Et qui, c'est là que le président dit, mais tout le monde est l'autre, mais il qui ministre va faire un seul répondre. Moi, personnellement, je dis, si content, si pareil, debate together. One debate, parce que ça dit, il possible qu'il sorte de l'un côté, l'autre il sorte de l'autre côté. Et si l'Assemblée est vraiment côté un parole senti l'autre, comme si vous pouvez faire des débats ou même motion, moi je crois qu'il est plutôt sa discrétion. Leave it to the speaker. Et nous, si ça bout, if the movers of the motions agree. Merci. On va appeler. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, nous besoin peut-être d'apprécier un autre quelque chose. Question sur formulation about pour nous gagner un statement of fact. On a certain effet dans quelque chose. So il peut straightforward pour voir cognate nature en question. Ça veut dire côté pareil. Motion est différent par l'effet qu'il y donne plus l'espace sa membre pour faire son political posturing, which is what this is a political arena. Non. Raison à cause d'une word comme ça, c'est à cause sa membre qui move son motion et tout en reserve the residual right pour lui withdraw son motion. À cause de moi, il peut withdraw sa motion si il en veut. Et ça doit être pour sa membre. When it comes, par exemple, pour débattre son motion, mettant l'Assemblée, speaker est décidé pour débattre son motion ensemble, speaker peut exprimer différentes raisons pour ça. Et c'est pour sa raison qu'il a besoin d'un agrément à l'autre membre qui move sa motion. Il a besoin d'un agrément. Si il présente une dissension view, il indique son motion pour tomber à cause de son motion pour qu'il débatte même si c'est qui peut débattre dans l'autre temps. Il peut obliger pour lui, either jump on the bandwagon. À cause du problème, même qui pas pour envie qu'à peut-être gagner tirer bas son lipier par un autre membre. So, à cause motion, il donne un scope pour aller dans un débat qui est beaucoup plus large. Qu'à opposé à une question, ou scope est beaucoup plus restreint et ou besoin focus, l'un ou bien décision spécifique. Et pour sa raison qui m'en croit, nous besoin maintenir que this is a member's house at the end of the day, et même il besoin en un et certaine habilité pour lui dire si d'accord, son motion gagne mouvement ensemble avec point l'autre. S'il n'est pas d'accord, qu'il peut arriver, il n'est pas pour débattre sa motion pour encore 6 mois. Il a besoin de retourner son assassin encore 6 mois down the line. So I think il n'est pas hurt pendant ça. Là. Il still donne certaine versatilité, donne certain sur les souffles démocratiques within l'Assemblée. Merci, Mr. Chairman. Merci, honorable. Honorable George. Mr. Chairman, on n'a pas aucune préférence. Question là, c'est est-ce que c'est le speaker qui peut décider si ça a des motions, il devrait écouter ensemble, ou bien c'est ça des membres qui peut décider. Up to now, c'est ça des membres. Si un il dit, si un pas dit non, nous autres écoutons ensemble, et nous pouvons proposer, pour qu'on écoute ensemble, il faut tous les deux dire oui. Mais ça, c'est. Ça des membres qui décident. Le speaker peut entrer là-dedans. L'honorable leader de l'opposition peut faire une nouvelle proposition. Il peut dire, leave the members out of it. Les speakers décident.
see the cognate motion, speaker va dire, you will move this together, or you will move them apart. Or separately, c'est-à-dire. Or tel membre n'a voué sa motion avant, ou n'a voué dernier, pour y tomber. Et le côté question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Nous voyons certaines questions et moi, quand même, je suis passé d'un côté. Par exemple, si on a des questions sur un seul housing estate, nous même faisons qui sont façon qu'ils ont demandé, ils ont demandé un après l'autre. Il y a le même housing estate qui font un îlot tôt, l'autre îlot d'allô, mais ils ont emmené ensemble, qui ministre est capable de couvrir tous les deux ensemble, et après ça, des membres d'autres instances, des membres d'autres supplémentaires. Mais je crois que ça bout par Yono Abram Karon de Vécote, où les speakers font la décision pour. Ou quand même servi par une outil, ça qui vient premier. Qui vient premier, il tenait, à cause nous peut cycle, et à l'autre question, nous peut cycle motion question avec mon membre, comment il rentre. Et mon membre, il a besoin au courant pour dire, mais je ne suis pas capable d'envoyer la même motion par équipe des années, le pipeline. Sur nos bouts de sa direction. Motions whose contents are cognate shall be debated as directed by the speaker. Alors, vous avez dit, nous avons fait tous les ensemble, nous avons fait tous les séparés, ou bien ça vient de premier, il va gagner un débat, l'autre va tomber. Yes. Merci. In consultation with the members or not? Yes. With the movers. Okay. Going on, Mr. Chair. Napana on yet a 40. Manner of debating motions. 39. Ça y est, c'est clair. 40, n'a pas rien. 41. Voilà, 41. Manner of debating amendments to motions. Pendant que mon petit prépare manuel, l'autre jour, on a réalisé que all amendments to motions, si mon papa, if I'm not mistaken, oui. Mon met en question la should amendments be possible from the floor, which is ça qui nous peut faire, mais mon pas comprend à cause mon met sa question. Voilà, oui. Et, order 40, pas order 40. Any amendment to a motion shall be put in writing by the mover and delivered to the clerk at least 48 hours before moving it. Mais nous, nous, les amendments from the floor. On a des fois un amendment innécessaire à cause de quelque chose qui est un membre, il fait que dire. So, nous besoin regarder si nous pouvons garder ça ou bien si nous pouvons laisser amendments from the floor. Mais ils suivent après, in case of simple amendment, waive this requirement. Waive this amendment. Waive the requirement that it's in writing and sent to the clerk at least 48 hours. But it doesn't say that you can make it from the floor. You can have a simple amendment, pareil nous fait avec. Anyway, yes, I suppose it can mean anything. Yes, on va piler. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, mon support de Noab George à cause moi aussi, mon pas trop. À cause là, maman a été, nous c'est le façon faire. Il sait tout le temps, nous devrions pédier quoi, en bas de 71, one more quoi, nous les suspendons de 40 pour nous faire l'amendement de la motion. This is what we should be doing every time.
It becomes tedious if we have to do this every time. Nous besoin amener motion. Mon quoi ça ça fait simple amendment. Nous tirer et nous met in provided that the speaker may waive this requirement. Ou bien nous met de l'autre façon. Mais c'est moi. À cause simple amendment pour moi. Il peut l'amendement quand tu peux substantially change sa motion. Il capable d'y venir quand tu as point un débat. Ou senti pour dire sa motion besoin gagner sans e. OK? Et il y en a pas mal posturing qui est arrivé dans l'assemblée. Ou pas qu'à tout les ouvert aussi pour un membre les sans motion et l'autre à cause pour un membre dit non, ça est mon motion ou sous les amène nous débat ou le motion amène nous motion. Là on cala on compte ça très bien. So, mon quoi qui nous besoin faire nous besoin agréer qui maillé nous capable faire li without qui nous besoin tout le temps cause l'eau suspend order pour nous faire. So, mon pas quoi simple amendment il fait exister ça qui nous les fait. So, peut-être on nous met waive sa requirement in total pour ça n'a faire ça l'amendement. Merci honorable Ferrari. Non, mais c'est que mon pas aller comme moi. Mon quoi vous dit if an amendment is waive is moved on the floor. Generally, it must be a simple amendment. Because if it is a major amendment that's going to change the whole gist to contain sa motion, sa dimon ki noua, ki prepare sa motion, I besoin arrive prepare a cause y a amendement substantiel. So, pou na pa amendement substantiel on the floor. Il prend un bon simple amendment et ça nous devrait permettre qu'il explique il waive sa requirement when the amendment is moved on the floor because it unless it is major then the speaker will say no I can't accept it but generally there will il peut un amendement simple amendments otherwise Merci, honorable. Honorable, comment vous? Monsieur le Speaker, mon tion vit qui sa requirement, il est avec vous. Leave of the Speaker must be there, à cause où nous, l'Assemblée est capable de dire sa amendement est simple, ainsi de suite, et il y a une impression, mais à la fin, disons quoi, ou qui donne sa running. Moi, je crois qu'il y a il était mais nous peut proposer il bien cause si il simple nous besoin devant nous sa permission pour laisser nous faire ça amendement même si nous tombons d'accord même whatever même si un autre membre peut move on quoi avait pareil pratique qui nous peut faire déjà non nous demandons nous tombons d'accord que ça amendement est simple et nous demandons permission. Si vous voulez, nous cite spécifiquement sa standing order pour nous move sa motion, mais ne nous pas dire qu'il n'a pas besoin de move sa motion each and every time, mais qu'il nous gagne au leave with of the speaker et nous bouger. Et un amendement substantiel, il suit ça. Il est envoyé d'avance. Si un amendement substantiel qui bouge sans sa motion, il a envoyé d'avance. On va empiler. Monsieur, moi, je comprends. Je n'ai pas de problème avec ce qui le Noir a dit, à cause, pareil, il dit. Si on a une motion lors de paper, motion lors de paper pour un peu de temps, avant de venir, nous préparons pour motion, ou à l'amendement substantiel, quand tu as besoin, on a besoin de préparer pour mouvoir avant. À cause, mon comprends qui peut dire, qui ou pas pour qu'à absoudre motion quand il move, rédiger à peut-être bas sa main qui n'amène son motion à cause lui il son motion et le cognate issue de sa motion c'est lui qui nous ordonne, c'est lui qui nous active, c'est lui qui nous amène. This is what you are preventing from happening. Et mon quoi, mon là pas pour et si pendant un amendement substantiel, ça mouvant aussi qui son motion des alors de paper. Il a gagné assez de temps pour lui parler. D'accord? Mais il restait alors, nous tenons les comme ça. Honorable Georges? Yes, Mr. Mon compagnon, oui. Mon compagnon est capable d'interpréter nos standing orders, mais il était là dans sa façon.
substantial amendments require notice. Tous les autres, look up this move, qui est un simple amendment, et demande speaker waive sa requirement. Mon pas croire qu'il nous besoin à demande ou en bas order whatever pour suspendre order 40. Mon croire order 40 clair, il dit simple amendment, look up waive. But what about an amendment qui pas simple ou qui simple, mais qui sont les faits égaux? Un wrecking amendment, par exemple. Okay? Moi, je mène une motion, je demande avec le gouvernement, faire la case. Et les autres, je mène un amendement pour dire, demande au gouvernement, continuez pour faire la case. Accélérer, faire la case. It wrecks my motion completely. It's called a wrecking amendment. À cause de blunt, les faits qui m'ont les amené. Yes, il simple ça ou bien il est substantif? Moi, je pense que ça va être up to the chair et to the Senate, parce que sans quelque chose d'une façon drastique. On doit faire oui? Il sans lit complètement. Et il est bon qu'il nous mette aujourd'hui, parce que moi, c'est une bonne motion, là, peut venir, là, que les élections vont arriver. So, il est bon qu'il nous ait nous clair, là, pour le moment. Ça, il y a un amendement substantiel et il n'est pas accepté. Unless it's been moved 24 hours. Merci. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Nous allons move on. Nous n'avons pas grand quelque chose. Bon, est-ce que nous les prenons l'autre, nous prenons le 41, là, non? Oui, mais nous n'avons pas grand quelque chose qu'à 49. 41, est-ce que 49? Nous pouvons sortir 49. Bon, peut-être ici, à un moment, nous prenons un break. Nous allons retourner 84. 80? 20 minutes break? Allez, d'accord, nous retournons 4 heures pour nous continuer. On va prendre 49 en montant.